هاد المسلي يوك يكتم أفت مسلي جي عقده محمد بكير أزول فلكة محمد أزول محمد هاد المسلي دعنا عقده النصر أزول فلكة النصر أزول فلكة هلا هات نبدأ وقص مصر ذا شو تقول لما ذوك مشاس من ذا سغضل سا كود ديتا نارس تون دوزيام ريفوليسيون تسجل أولا في السنات أم كي رات سميم وين يضرن يضلي في مرث مصر محمد أول انتقل أولا يوارا أول انتقل أولا يسا يصور يسا 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 يبروفوندر وين اللي يضرون وتسالة mais il est là dans le Moyen-Orient, c'est un recadrage, à mon avis, on est en train d'assister à un recadrage où des puissances, l'hyperpuissance américaine est en train de remettre de l'ordre selon son agenda propre, alors que Oussana Adan ou Aleb, les cités des islamistes qui avaient l'initiative. Donc le recadrage est noualien dans le traitement de la crise syrienne, surtout dans le rôle de la Turquie. La Turquie commence à avoir une attitude plus réservée par rapport à la crise syrienne et elle a moins de soutien par rapport aux djihadistes. On peut le voir aussi, même si c'est quelque chose qui n'a pas encore donné tous ses secrets dans le changement d'émir au niveau du Qatar, et aussi dans l'épisode égyptien et l'appréciation qu'a eue l'administration américaine puisqu'elle s'est alignée sur la déclaration. Sur la déclaration du Conseil des forces armées égyptiennes. La question, c'est de revenir rapidement, soi-disant, au processus électoral. Donc, on assiste à un recadrage. À mon avis, on était dans une logique d'un forcing pour aller à la restauration du califat. Dans les têtes de pont, c'était le Qatar et les frères musulmans d'Égypte. Là, il vient d'y avoir un contretemps, un redressement qui fait qu'on s'éloigne un petit peu de cette perspective de nous rassurer le grand Moyen-Orient traditionnel. C'est vrai que. سن كراي جي دي كاوي زوز مسار لكن ولا دو ذاك ني دي سوال كيش نقام ترى لي لايك و ذاك ني كي بروني لا لاي سيتي جيماجين كي ا اوسي لان تاسليكوب تي تو دونك سي فريمون او ديبي دو ذاك ني يجا شغل يمد صحرا ووال دغوينا الدنيا كان معنا ذا شو كان ولا لكن الفو تزوالا تاسيم بالنسبه لي في لا ريفولوسيون عرب. Donc, c'est un contre-temps à Kikina Mohan. Je suis un peu plus de temps de la loi. Je suis un peu plus de temps à la loi. Je suis un peu plus de temps à la loi. Je suis un peu plus de temps à la loi. Il aurait dû essayer de faire une chose comme le Seigneur Olaïns. Elle m'a pas savoir jusqu'au bout. Parce que c'est un problème politique et que pointe les frères musulmans. Nous avons vu qu'il y a des gens qui ont été en train de se faire. Nous avons vu qu'il y a des gens qui ont été en train de se faire. Je pense que c'est là que c'est fait. Tout le monde a été en train de se faire. Tout le monde a été en train de se faire. Tout le سيمسلو فارون ترك نلاق دونك افان شتاكي فو با تري فيكتوار كادي قارو زميره لا غادي تزور كون في نجانا خيرا تكمل نبدا هاد كارانتني مصريه نبدا تفيقينا سن وزمانات وراه تمارنا ما كاين ذنوث ني غيك توحقرن يبون فير دو مور سين فيكتيم دي فران مسلمون هادو غالم توحقرن السنين واليت كان On peut simplifier les choses, mais les choses sont beaucoup plus complexes que... qu'on veut bien le dire. D'abord, une armée, c'est un corps sociopolitique. Ça dépend dans quel contexte, mais il y a des contextes où l'armée joue un rôle primordial. Même dans des pays, la France après le ralliement de Pétain, après Vichy, c'est l'armée qui a sauvé la France. En 58, dans la crise finale de la 4e République, c'est l'armée. De Gaulle, c'est une personnalité militaire, on ne peut pas le dire. Donc les armées, elles jouent un rôle. La modulation du rôle, est-ce qu'il est directement politique ou pas directement politique, c'est une autre paire de manches. Mais on ne peut pas être en démocratie sous des militaires. Mais les choses, c'est la démocratie. Mm-hmm. C'est ça le problème, les choses, c'est la démocratie. Il y a une démocratie dans une démocratie, elle joue un rôle, elle joue un rôle de recadrage et tout.
Les exemples à guider de quoi ce panel-là, d'ailleurs ils sont dans tout l'ancien même assez nés, il y en a qui naissent en 92, enfin ils disent Smith puis le fils, est-ce que je me dis manis l'armée, on voit l'homme qui est exempt, donc nous c'est un nien nien de cas, c'est mieux, nien c'est la chose c'est que des suivis vers le canal de l'Hakoum, donc tout là on se pose toujours la question, est-ce que c'est le meilleur la meilleure solution? Une qui a dit non, donc ce n'est pas la meilleure solution parce qu'il n'y a pas de précédent historique qui gouache d'agir. Ou la chanque un pays démocratique qui est. Je suis venu à Chine, à Mascar, à Massar, à Dimanis, où il y a des habitants à Tigraoula. Non, il y a Dimanis, c'est un faïda. Mais les armées, c'est des forces sociopolitiques. Quand tu prends le cas particulier de l'armée égyptienne, elle détient entre ses mains 30% de l'économie égyptienne. Elle la détient publiquement. C'est-à-dire que ce qu'elle détient comme société, comme intérêt économique, c'est à peu près 30%, le tiers de l'économie égyptienne. Sans aller dans des considérations où il peut y avoir d'autres intérêts qui sont concentrés entre les mains des militaires. Donc, Ervil, c'est de juger concrètement de la portée, parce que Mad Sahou est une action politique. Il a fait Moukoulat Sendit Tidou. Parce que la République, la démocratie. En vérité, il ne peut pas y avoir de démocratie si tu as une force théocratique qui est dans le jeu, à Chouar. Parce que. On le voit très bien en Égypte, les islamistes, les frères musulmans sont une force essentielle. Et pourquoi ils sont une force essentielle? Parce qu'ils sont organisés. À la différence des autres forces, ils sont organisés. Maintenant, quand Tahrir 2, Tahrir est Boussenegui, mais quel est leur message politique? Quels sont les mots d'ordre politique qu'ils ont portés? Ou l'ai-je? C'est du nombre. Sans que ce soit péjoratif. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de forces politiques qui produisent un discours, qui produisent une démarche politique, ethnique, souffrante. Donc la force, ça reste encore. Donc les deux forces essentielles qui sont sur le terrain, les frères musulmans, c'est le djihad, les islamistes, c'est le djihad. Je pense que le document est un peu plus simple que l'opposition du Golfe, quand Mohamed Baradei. Mais sur quel contenu est Douklen? C'est ça le problème. Sur quel contenu est Douklen? Parce que quand tu analyses une situation, il a fait le contenu, les démarches politiques. Les islamistes, ils sont pour un État théocratique. Donc, ils ne s'inscrivent pas dans la République, ils ne s'inscrivent pas dans la démocratie. Parce que le cesse de la République. La démocratie et la République, c'est des systèmes de valeurs, c'est des systèmes philosophiques. D'accord? Ce n'est pas une arithmétique. Ça, il faut le comprendre, il faut essayer de réfléchir sur ça. La République, c'est la nation souveraine, c'est une nation qui refuse toute tutelle, qu'elle soit monarchique, qu'elle soit théocratique ou qu'elle soit prétorienne. Donc, ça, c'est la base. Le mécanisme pour que la République vive, c'est la démocratie. C'est un système arbitraire, c'est un système que des philosophes ont construit. Dès le système qui mène la démocratie, la souveraineté, elle appartient au peuple. Le peuple, c'est quoi? C'est l'ensemble des citoyens érigés en nation. Ça veut dire que tu remets en cause la démocratie. Je ne remets pas en cause. Je te donne ma connaissance des concepts. Là où il y a la théocratie, lorsqu'il y a le fascisme dans le jeu, lorsqu'il y a la théocratie dans le jeu, il n'y a pas de république, il n'y a pas de démocratie. Parce que la république, elle... On laisse les islamistes gouverner en Turquie et pas en Égypte. Pourquoi? Parce que... Les frères musulmans, Massar sera nadra, nous l'a tué là. La problématique kif kifis. Mais pourquoi on les laisse gouverner en Turquie? La problématique kif kifis. La problématique kif kifis dans tout l'espace de l'ancien empire ottoman, hein, le turc. Pourquoi? Parce que l'empire turc, l'ancienne version est divanen, où des gillen d'oulanaïe les Turcs. L'ancienne version, où des istamar turc. Parce que d'oulan turc t'agalien, ikshmed l'istamar n'ira. Donc, l'ancienne version est gillen. Il est un ouvrier qui parle qu'il a qu'annual le khalifa. Il a qu'annual le dernier le khalifa. Donc, il a le khalifa turc, il a qu'annual le khalifa. Il est ouvrier n'ira, d'ouvrier n'ata turc, hein, Mustafa ata turc. Il y a que d'ouvrier qui gouverne de khabna minsa. C'est de construire des États-nations sur des espaces donnés. Nous connaissons, c'est la France qui a unifié l'Algérie, tu as la Tunisie, tu as le Maroc, etc. Donc, si nous avons pas réussi à construire des républiques, il n'y a pas un seul État où c'est réellement une république. On n'a pas construit des démocraties, mais en même temps,
il n'y a pas de théocratie en place. Donc, il y a un peu de temps. Il n'y a pas une valeur de référence. Ça veut dire qu'il y a 22 millions d'Égyptiens. Il y a plus de 70 millions d'Égyptiens. Et ils ont remis en cause un processus démocratique. Donc, il y a pas la valeur de référence ou les chiites. La démocratie, il est où ils ont dit Mislay, mais le canis genet dit Mislay, et que mon travail, peut-être ça va. Ils vont innover dans le domaine de la gauche, c'est-à-dire un système qui va convenir et les sociétés telles que la société égyptienne. Ou lèche une valeur, ou lèche une démocratie typique, à titre de mes français, mais ça n'applique l'Angleterre, ça n'applique Massa, ça n'applique Gondaneron. Je suis le canis nounf, le canis l'armée, et c'est tout le fait qui me l'intègre à Oulansen, à tout le tègre à Oula, 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 à tout le valeur, à tout le tègre à une révolution d'idées, c'est une révolution de concepts, c'est une révolution de. Donc c'est ça le problème. Donc le problème de l'armée ou la calade de l'Emanis. Mais l'armée. امشي لارمي ولا قد دخل المانيس لارمي لا قد دخل المانيس ماشي زولا ماشي تول ماشي زولا اي غير استخر نوقي اي غير استخر فوالا سو كان اي غير شي يخدم بارتي لي تي دون اون ديناميك كاين كاين نهضر شحال دافريد سي لون دي سي لون دي تيت دو بون دو بروجي دو خليفه ماشي لون دي تيت دو مورتيس سا فيدير كوا سا فيدير كو بوكو لو روكادراج دابور فقر ديال لو روكادراج واش هو في الدلي واش هو ماريكان باسكو ماريكان باسكو ماريكان باسكو ماريكان لا سا فاي دو روت بور غران موين اوريون. Il y a un certain nombre d'acteurs qui ont la feuille de route. C'était l'émir du Qatar, les frères musulmans d'Égypte. Parce qu'il ne faut pas considérer que le Rachid, c'est des marionnettes. Que les frères musulmans, c'est des marionnettes. Que l'émir du Qatar, c'est des marionnettes. Que Erdogan, c'est une marionnette. Il y a des convergences, mais en même temps, il y a des degrés d'indépendance entre les différents acteurs. Le fait est que les islamistes, ils ont pris les révoltes arabes, ils les ont prises en cours de route, et ils leur ont donné une orientation qui dans l'apparence, était celle du Grand Moyen-Orient, du projet américain du Grand Moyen-Orient, mais dans le fond, ça allait beaucoup plus loin. Et les Américains, ils viennent de trouver une occasion pour pouvoir mettre un frein. Il y a des différences, c'est des alliés, mais il y a des différences. On est d'accord que c'est un coup d'État. Le coup d'État, ce n'est pas un problème. Je vais te donner un exemple. Le 24 avril 1974, les militaires portugais défoncent Salazar. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un coup d'État. Et pourtant, c'est ce qui a fait libérer les Portugais de la dictature de Salazar. C'était une dictature. Parce qu'il y avait une dictature. Moi, c'est pas une pourquoi, dictature. Pourquoi tu nuances? Donc finalement, quand on dit coup d'État, l'important c'est le contenu, non. C'est le contenu non. Historique. Afin de dire qu'il y a un vrai rad dans le goal, Mohan. Sur le Madagascar, Madagascar américain, Madagascar, vous étudiez les. Les cartes géopolitiques, c'est parce que ça les arrange pas, et ça, parce qu'ils sont pas favorables par un peu aux Arabes, par rapport à l'Israël, par rapport aux Arabes, chaud. Comment se fait-il que le double jeu, comment se fait-il que dans les pays nord-africains, un tuer les Akinin, le Houak, vers l'islamisation, vers des États, même des Massars, rien ne dit. Ça va, hey, chaud. Madagascar, demain, ملوكانتيزت ولان ذاك نيز امريكان لي بيسونس انترناسيونال لي غفران هذيك سنين سلمان غفران بدلن ماشي سنين سلمان فافوريزين سي لا سنت ولا لا اما كا والسنه قاعدان سنتكن هذا الشيء جيد لو كلون ديال سلمان الجزائر سي لا سي الماروك اذا عندي البروميير مينيستر تو على ذين سلم سي لا سي تونس فرانسوا هولاند سي كي راح تونس على تمسال من هذا سي لو البروميير مينيستر نيلسون Inès, voilà, c'est un truc historique. Finalement, là, c'est juste des accords économiques et tout. Donc, il est dit, on se fait mal, là, la géopolitique chinoise, c'est comme si. يخسر تفرانين ويجار الحسن وطار الشاقي غير قزير فحتي فرانين
إذا نكوني نحضر دي مسلمين جيان إذا إسلاميست معنا يربح في فرنين هذا روح ناس صغدين أدون العسكر لأن فرنسا شو كتنا يجرز إذا كنا تعود من فرنين مجرد تفهم من تشتغي أم هنا إلينا يتولي أي كت قارض هذا استعرف السيني العسكر جيا أم رجشة داون أم رجشة داون استخرنا مرسى داون اللي جرز ويجي في الدهدرات ويجي في الدهدرات ويل ديس با آه سين كو ديتاي فول كونداني سي سا لو تروك إيه روما إني ديس با وتقارنا لا مي سا فيدير كو سا فيدير كو il faut voir les intérêts que ça sert, la démarche que c'est. Voilà. Mais qui n'est que dans ça. D'accord. Je vais te dire un truc. Ce qui se passe en Égypte, je ne soutiens pas. Je considère que c'est un pas en avant, mais je ne soutiens pas. Mais nous, le Conseil des forces armées égyptiennes avait dit l'Azhar de côté, les frères du musulman de côté, la nouvelle constitution va séparer entre le politique et le religieux. Là, ça a changé, où nous, ils font descendre les chars de gouverner. Okay. Tu vois. Pourquoi? Parce que c'est le contenu historique, c'est le contenu politique qui est important. Un coup d'État, c'est un élément d'une vie politique. Il y a des moments, c'est un moment de cassure, c'est un moment de rupture. Parle les frères musulmans, mais c'est une petite indignation de l'autre côté. Les frères musulmans, ils ont assigné leur résidence. Les frères musulmans, dans l'année qui est passée, les frères musulmans dans l'année qui est passée, ils ont fait 100 000 nominations dans l'administration et les postes économiques. 100 000 nominations dans leur rang. Ce qui veut dire que Nifnir, ils ont été élus. Oui, mais tu ne fais pas une politique partisane. Tu ne fais pas de l'entrisme, c'est une politique entriste. C'est pas une raison à s'entrer dans le coup d'État. C'est une politique entriste. Non, il fallait faire le coup d'État. Il aurait été plus intéressant si son contenu, c'était un contenu qui réglait la crise de fond. La crise qu'on n'a pas su régler de Gounat Dilzeyer. Et la crise qui n'est pas encore réglée dans aucun pays de cette ère géographique. Par contre, le sujet très clair, fait un temps que ça a été fait à la fois. Le sujet est très clair. Est-ce qu'il y a 5 juillet, 50 Sikwassen, c'est le Bouteflika de France, 51, c'est le Bouteflika de France. Et quand il y a un temps que ça a été fait, il y a un temps que ça a été fait, il y a un temps que ça a été fait, il y a un temps que ça a été fait, il y a un temps que qui est personnellement je déchire la joie à chaque fois toujours c'est comme une petite marionnette à trois six à mettre se normaliser la région de Mouthlorvel nous le Sénégal donne des chocs à donner de Mouthlorvel attention argumentique là attention les provocations sauf que tout là mais il est au problème hier si les clans ils Mouthlorvel le clan Aguiouguis le Denis le Wayon zikad vous êtes à Mouthlorvel parce que nous avons un bout de filet quand nous sommes à Kinesniawa mais cette fois-ci Ougaden, parce que c'est pas la première fois de Mouzlor Vel, c'est un projet politique, donc Ougaden. Rien n'empêche, il y a toujours des provocations. Il a qu'à ce Les Rollins sont toujours à les voyous, c'est symbolique, Mohamed. C'est 5 juillet, c'est une diversion parce que nous sommes dans une véritable crise. Les solutions qu'ils veulent mettre en place, c'est des solutions qu'ils ne peuvent pas afficher. Ils ont mis en panne le principal appareil politique, ils les ont mis en panne, le FLN et le RND, ils les ont mis en panne. Ou les Knid Hagan, comme des relais, apparemment c'est démorné. Terj, comment il s'appelle l'autre MPR. L'MPR, c'est pas passe-moi le MPR. Nom. MPR, voilà. MPR. Donc, ils sont un petit peu dans une impasse. Il faut remplir le vide, donc celle-là, il se déplace, etc. Mais il faut être attentif, à mon avis, il faut être attentif, parce que le recadrage qu'il y a au Moyen-Orient, il va y avoir des confirmations, des informations, que ce soit des Tunis, que ce soit des Zaïre. Donc, ce qu'on présentait comme mise en orbite des islamistes, il y a un point d'interrogation à mon avis, même s'il ne faut pas être euphorique, il y a quand même un point d'interrogation à avoir, parce que s'il y a recadrage au Moyen-Orient,
Est-ce qu'ils vont continuer sur la même logique dans la propulsion et la mise en orbite de l'Alliance verte? Est-ce qu'ils ne vont pas commencer? Ça, il faut attendre les prochains jours. Et même Dimassar, il ne faut pas confondre entre la destitution de Morsi, à mon avis, et la mise à l'écart des frères musulmans, parce qu'il n'y a aucune mise à l'écart des frères musulmans jusqu'à preuve du contraire. Sauf si la situation se détériore. Vaken ada no, enfin yun msla firzeg fnas malik slal, enfin ministre de l'intérieur, premier ministre. Ah, okay. Ezka, ils ont prévu un défilé militaire. C'est une première ici Zouzou. Ah, ça veut dire que l'armée ici Zouzou a ce défilé. Donc je laisse le soin à El Rachid ici qui est Walid Dachou. Est-ce que ce n'est pas une énième provocation? Je vais aller chez l'armée, ça y est, nous une jade, ça veut dire tout ça comme machine, on a assez mal nous. De l'autre côté, il y a un SK, il connaît faire la publicité, ça va être. Ou s'il y a un site de faire l'information, parce que c'est assez grave, un site de faire l'information. SK, enfin, ou alors dans un journal, enfin, on a fait le matin des années. Parce qu'il faut bien mesurer la chose. Ça fait justement l'un des problèmes du cinquantenaire africain. Le 14 juin, il est pour vous. Donc ce n'est pas un premier. Le 14 juin, il est pour vous. L'un, ce n'est pas normal. Voilà. Parce que l'un des problèmes du cinquantenaire, c'est qu'il n'y a pas eu de défilé militaire. Il y a eu un défilé de la police, il y a eu des parades de la police, etc. Mais il n'y a pas eu de défilé de la militaire. Et si vraiment le choix, c'est de faire un défilé en Kabylie, les Tizi Ouzou, il serait difficile de ne pas l'interpréter comme une intimidation. D'accord. Et c'est grave d'entraîner l'ANP dans cette logique. Mais c'est vraiment quelque chose, si c'est vérifié. C'est, la seule interprétation qui serait acceptable, c'est que c'est une intimidation. Et les questions de régionalisation, d'autodétermination, c'est des questions politiques. C'est des questions dans lesquelles il ne faut pas impliquer l'ANP. Ou dit Vanera, ou est-ce que c'est un guerre? Alors, on est-ce que dit Vanera ou Sulo et Bouteflika? Kif. Naden, Zmermada, Ram Filas. Ou la Karda, Filas, c'est les Chinois. Il ne sait pas, Vlad Mihlikin, c'est un chef d'État, même si. C'est un. Enfin, je suis un لانه يكون دي 14 جويلي دي تفنى فرنسو بياس تدوري فرنسا 14 جويلي اي لي خيزميرا دي تكيلينا ني با دون لو ميم اكيد هنا الى قرن خل ما قرن 5 جويلي ودي تفنى راه يعني مازال دنيني تستني لي دو كراي تستني On est dans deux logiques différentes, dites-moi maintenant. On est dans deux logiques différentes. C'est la logique institutionnelle. Mais la logique institutionnelle, nique, s'il y a une supralogique, il y a une logique qui est égale 21, c'est une logique prétorienne. Ce qui veut dire que l'un qui est le rachim, pour le temps, il est le Parce que nous, quand nous avons les institutions de la République, on est dans une crise majeure. C'est les institutions de la République. C'est la constitution, c'est l'équilibre des institutions, etc. Mais maintenant, ما تبقى للصلاح ذني قال لنا بوغ هلاسنس كي دير صلاح ذني يشاركن لي بريتوريا بعد تو فونكسيون نورمالمون يقول انا ودي يقول انا يقول نيون مزيان هذوك الراي نو نفس زروال ولا ماشي دينا زروال ماشي دينا انا قلت لك غير راه وزمير غير سيتي كلير قراف كثير مزينات خدمه سيتي كلير كلا ديماج دو محمد شفيق مصباح باسكو يفو لي لي شوز سيرينمون سيتي كلير سيتي اون ديفيرسيون Je l'ai dit sur le plateau d'Agui, j'ai dit que c'était une hypothèse inenvisageable, celle de Zerwell, pour des choses très simples. Dans le même papier, il dit que Zerwell était contre la corruption, que c'est quelqu'un auquel on ne peut rien reprocher sur ce plan-là. Et en même temps, il te dit qu'il faudrait qu'il vienne pour gérer une situation où la corruption est devenue la norme. C'est illogique. C'est illogique, tu vois. Donc, c'est Mohamed Shafiq Mesbah, le véritable messagéniste dans l'article qu'il a fait dans Le Monde, c'était de titiller la France en lui disant que l'Amérique est en train de miser sur les islamistes, alors que vous êtes dans une logique de France-Afrique encore, rejoignez les Américains. Tout le monde peut relire son papier, c'est ça le fond du papier. Je dénonce aussi un autre acte. Le festival de danse arabo-africain et ses ouzou. Voilà. Donc, je dénonce ça. C'est un peu comme ça. المرتين متقيمين ناس كوس كاملة نحن ذا نفذو
رمضان يسمى ولا رمضان فين 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 كيخدمه وي وني كل يوم كي يبغى فين وني ولاش ولاش العسكر ولاش هذه فرا المجرم ماما ولاش فين ميرتن وانت ميرت يكون ودي قمني هنا في الوين دربي التلفزيون بعد هذا اللي لازم نقول نستمزي اللغه العروان غف 80